Une fois sa campagne électorale lancée, Patrice Alakpato a décidé de ne plus perdre de temps. Ayant opté pour une rencontre de proximité, il s'est entretenu avec les transporteurs, conducteurs de taxis et assimilés. Avec ces derniers, il est revenu sur les grandes réalisations du président Patrice Talon qui a réussi à révéler le Bénin. Le Bénin révélé, dont on a parlé, le Bénin, quand tu montes à l'extérieur, quand tu es vraiment un voyageur, tu vas voir comment les gens parlent du Bénin. Et nous, nous sommes campés ici, on juge à tort et à travers. Les gens parlent du Bénin, tout comme si le Bénin est un petit Paris. Le Bénin est effectivement talent à faire révéler le Bénin et il le fera par la grâce de Dieu. Mais Patrice Alakpato peut dormir sur ses lauriers. Le président de la République est déjà porté en triomphe chez ses transporteurs qui ont été véritablement impactés par ses nombreuses réalisations. Même ce matin, on a parlé de Patrice Talon, non? Oui. Voilà. Patrice Talon. Aujourd'hui, il nous a fait des choses pas possibles. Lorsqu'on parle du transport, après notre véhicule, c'est quoi? C'est la route. C'est la route. C'est la route. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de route? Oui. En matière d'infrastructure routière, nous avons connu une forte taux de progression. En quoi ces derniers, rouler en toute sécurité sans être rançonné, est désormais une réalité au Bénin qui porte la marque de Patrice Talon, à qui ils assurent une victoire écrasante dès le 11 avril prochain. Au lieu des postes de rançonnement, nous avons désormais la police républicaine qui est à notre service avec des véhicules en mouvement. L'homme n'est pas encore à la fin de ce qu'il a commencé. Nous sommes appelés, nous, acteurs du transport, à l'accompagner pour révéler notre pays au monde entier. Et pour cela, chers camarades conducteurs, chers mamans, vous qui êtes nos usagers, vous que nous transportons, nous vous invitons tous à voter pour eux. Nous vous invitons à voter pour eux. Fort de cet engouement, ils sont désormais investis d'une mission, celle de continuer la mobilisation au profit du duo Talon Talata. Continuez parce que vous êtes des vecteurs de communication. Vous pouvez sensibiliser plus de 100 personnes par jour, si vous le voulez. Continuez par faire ce devoir. Chaleureusement accueilli ici à Ladji, Patrice Alakpato et sa délégation obtiennent l'accord des populations pour un chaos retentissant au duo Talon et Talata. Avec Patrice Alakpato à la manœuvre, le duo Talon Talata est rassuré de faire carton plein au soir du 11 avril prochain.